Et c'est toujours Antoine Galland, c'est bien aujourd'hui sur FIFA pour la suite du mode carrière pro. On joue contre Getafe pour débuter aujourd'hui et ensuite face à Malaga, tout ça en Liga. On débute avec un match à domicile et vous allez vite remarquer que ma jauge d'endurance n'est pas pleine. Du coup, on risque de fatiguer un petit peu en fin de match. Pour info, niveau objectif pour les 4 prochains matchs, on doit avoir une note de 9 sur 10 de moyenne. Autant vous dire que c'est hyper élevé et on doit, il me semble, également marquer 6 buts. Donc c'est beaucoup. On va essayer, franchement, et je suis content d'une chose, c'est que le sélectionneur nous fasse jouer beaucoup plus souvent. Et donc on pourra sûrement marquer ces 6 buts si en tout cas on joue bien. On est parti. Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette journée de Liga Santander. Pierre Ménès vient de me rejoindre. Allez, soyons positifs, nous sommes premiers de ce classement et très largement à 11 points d'avance face au Real Madrid, ça fait plutôt plaisir. Attends, c'est pas la différence de but? J'ai peut-être confondu entre la différence de but et le nombre de points, bref, c'est pas grave, en tout cas on a de l'avance, tout va bien. Allez, c'est parti, engagement pour le FC Barcelone, aujourd'hui de l'Ofeu directement sur Galaxy. On y va, Ousmane Dembélé qui accélère, on repasse sur Galax, très bien, on va essayer de partir vite et fort si possible et de marquer rapidement un but parce que bon, logiquement contre Getafe, il y a les moyens de faire quelque chose. Allez, sur Galax maintenant pour le centre, il m'a contré, bien joué, aïe aïe aïe, bien joué, bien joué, bien joué, voilà, je repasse en arrière, j'ai bien fait, allez, on avance les gars, Sangaré. Bien joué pour Merino, ça avance, ça c'était un petit peu brouillon ça tout de même. Hein. Et ça dégage du côté de Getafe. Ok, tu m'as vu, on renvoie sur Galaxou. Nickel. Allez, sur Paco Alcacer qui a marqué deux buts l'autre fois mine de rien. Tu m'as vu maintenant sur Galax, il se retourne la frappe de Galax et c'est contré, ça va faire un corner pour le club catalan. Et ouais, faut marquer 6 buts mine de rien en 4 matchs. On va devoir vraiment y aller à fond les ballons. Et surtout être sélectionné si possible à chaque match. Ce serait plutôt pas mal. Allez. Et 9 sur 10, c'est quand même pas évident comme note à avoir. On va pas se mentir. Va falloir bien, bien, bien jouer. Allez, Mario Gaspar. Ousmane Dembélé. Ousmane qui va se faire piquer le ballon. Voilà. Je l'avais senti, sauf que sous la pression, Sabori dégage en touche. Allez, Ousmane Dembélé maintenant vers Galax. On va en arrière. Ah, il est un petit peu enfermé, mais ouais, on n'arrive pas à passer. On voit bien qu'on n'arrive pas, limite, à rentrer dans cette surface de réparation. C'est un peu énervant. Alvaro, maintenant, il envoie vers Sissi Cicciretti. Allez, Pelupessi. Je récupère. Mario Gaspar. Je retourne pas mal en défense, quand même. Tu m'as vu. Vite, on fait la passe à Paco Alcacer. Ça tente un passe profondeur, sauf que c'est mal joué. Oui, récupéré par Gérard de l'Ofeu. Et c'est récupéré. On n'arrive pas du tout à aller plus loin, sans déconner. Allez, on n'arrive pas vraiment à aller plus loin. Ousmane Dembélé, on perd vite le ballon et c'est un peu énervant. Même là, tu vois, je fais un appel de balle, mais il est mauvais du coup parce que j'arrive pas à le récupérer. Non, c'est chiant. Franchement, c'est chiant là depuis le début du match. 20ème minute et on n'arrive pas vraiment à bien jouer. Allez, je t'ai vu là-bas. Eh non, mauvaise passe, encore une fois. Hein. Et il y a une faute en plus. Hein. Et en plus, il y a une faute. Eh ben, dis-donc, pour l'instant, il n'est pas Jojo ce match. Il n'est pas Jojo, mais on fait ce qu'on peut, j'ai envie de te dire. Avec les moyens du bord. Allez, ça passe pour l'instant. Tu m'as vu bien jouer sur Galaxou, je l'ai vu également. Non, on s'est pas compris. On s'est pas compris. Et où il me fait tomber, l'autre là-bas. Il m'a fait tomber. C'est quoi ce délire? Allez, bon les gars, là, faut récupérer, faut marquer un but. On s'en fout, faut marquer un seul, pas 50. Eh les gars, bougez-vous un petit peu. Faut marquer un seul but, bordel. Allez gros, frappe de Galax maintenant et ça va être encore une fois contré, corner. Logiquement, ouais, encore une fois, on n'arrive vraiment pas à tirer au but. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Et le gardien qui repousse du point, c'est bien joué. Il va peut-être repartir là-bas, je reste ici. Restons bien placés, si jamais. Placement incertain, j'ai remarqué, merci. Au moins on peut repartir. Hop, envoie-le au loin, très bien pour Ousmane. Ousmane peut-être, on l'envoie vers... Ouais, Ousmane maintenant, dans la phase de réparation, peut-être Ousmane. Tire, et c'est le but. Bien joué les gars, GG. 1-0 pour le Barça. Magnifique pour le FC Barcelone. Alors là je suis content parce que franchement, on n'y arrivait pas depuis le début. Donc ouais, délivrance, la joie. Ah... Voilà qui fait du bien et le public exulte, hein, le public est heureux, tout comme nous. Regardez le centre d'Ousmane Dembélé, superbe. Il n'avait plus qu'à la reprendre. Bravo encore une fois à Paco Alcacer, hein, 33ème minute, 4ème but en Liga.
Je crois qu'il a marqué 3 buts en 2 matchs. C'est assez hallucinant. Bah, tant mieux pour lui, écoute. Hein, ça lui fait sa semaine de foot. Hein. Incroyable. Très bien, très bien. Bon, du coup, c'est bien tout ça, mais ça n'améliore pas mon nombre de buts, ni ma moyenne. Donc, je suis content parce que l'équipe gagne, c'est déjà ça de gagner. Mais nous, voilà, nous ne sommes pas en confiance. Hein, surtout qu'on risque de ne pas se faire sélectionner pour les prochains matchs. Si jamais nous ne sommes pas ultra performants. Allez, gros. Allez, gros. Puis ça, dommage. Dommage, dommage. Compliqué. Bébé. Ah, c'est marrant comme il s'appelle, lui. Bon. Chichiretti. Allez, Amat, bien récupéré. Tu m'as vu, super. Allez, on envoie un petit peu au loin sur Paco Alcacer maintenant, qui joue tellement bien en ce moment. Allez, Ousmane, on va au centre, on va au centre. Le centre peut-être d'Ousmane Dembélé. Ah non, il a poussé son ballon, mais pourquoi? Pourquoi t'as poussé le ballon? Je sais pas. Je l'ai vu. Ah merde, on ne s'est pas compris. Vas-y, gros. Non. Frappe de Glax, et c'est contré, encore un corner. Probablement, effectivement, voilà. Un corner avant la fin de cette première période, en tout cas pour l'instant dominé par le Barça, mais ça reste assez serré, on va pas se mentir. Bon, je pense que là ça va être sifflé. Ouais, ça va être sifflé effectivement, fin de la mi-temps. Ouais, joli tacle du joueur français. Et ça va être sifflé très bientôt, logiquement. Et voilà, fin de cette première période, et pour l'instant c'est vrai que on a un petit peu de mal, effectivement. On a un petit peu de mal à rentrer dans le match, même si on mène au score. C'est pas moi qui ai marqué. Je n'ai pas fait de passe décisive, donc ça ne suffit pas. Voilà, clairement ça ne suffit pas. Et il faut penser également un petit peu à notre tronche. Alors que du vert, hein, que du positif du coup, pause bleu. Que du positif, mais c'est vrai que, voilà, individuellement, ça n'a pas été extrêmement bon. Et c'est vraiment ce qui manque. Bon les gars, faut vraiment foncer dessus là. Ouais, bien, bien, bien. Allez, on y va, go. Paco Alcacer, il est en forme en ce moment, Paco Alcacer. Vas-y, il se retourne, sans vos vers Galax. Oh oui, on s'est bien compris avec... je crois que c'était Ousmane. De toute façon, il se retourne. Il a peur. Il dégage pour la pression. Et il a raison d'avoir peur. Oh oui. Allez. Bien pensé. On envoie sur Galax. Ah, on se comprend pas tellement. On se comprend pas tellement là. Gérard. Oh, dommage. C'est dégagé. En touche. Eh ben, dis donc. Ce match est plus compliqué. C'est plus compliqué que ce que j'aurais pensé. Honnêtement, allez, je l'envoie au loin. Ousmane, on repasse sur Galaxou, très bien. Allez, gros, fonce, fonce, fonce. Dommage, c'est toujours contré. Oh, mais là, bizarrement, on peut pas faire grand chose, hein, honnêtement. Hein. On peut pas faire grand chose parce que moi, on me file pas tellement de ballons. Et c'est une sortie de but. Ouais, parce que c'était contré, je crois. Et c'est Guerrero qui va remplacer Gérard Deulofeu en attendant. Petit changement du côté des Catalans. Ouais, bien récupéré. Bien joué. Galaxou maintenant, Galaxou, la frappe tout de suite, repoussée par le gardien. C'est dommage, et ça fait un corner, je crois, pour le Barça. Oh, quelle belle coupe de cheveux. Et non, une sortie de but, d'accord. Autant pour moi, j'ai mal vu le rebond. Ça arrive, hein, évidemment. Allez, Gakou. Apparemment, il se plaint, il y a eu potentiellement une faute. Non sifflé, mais c'est l'arbitre qui décide, ce n'est pas toi. Allez, Paco Alcacer qui sort, remplacé par Luis Suarez. Hey, Luis Suarez qui habituellement tire les coups francs, et ils nous ont laissé tirer les coups francs indirects. Je vous rappelle, lors de la dernière vidéo, c'était plutôt cool. Attention, accélération, la frappe. Et c'est à côté, heureusement. Heureusement, heureusement. C'était chaud. Quelle action! Une seule action, hein, du côté de Getafe, qui aurait pu, mine de rien, faire mal. Hein, parce que voilà, une action peut suffire dans un match. Eh oui. Allez, Ousmane Dembélé. Pas de conneries, les gars. Pas de conneries. On avance. Bon, les gars, je veux bien, mais il faut y aller un moment. Bien joué. Ça passe pour Galax. Ah, il y avait le défenseur devant. Mais j'arrive pas à passer. Pourquoi aujourd'hui? Ça passe pas. Je vous le dis, ça passe que dalle. Ça passe vraiment pas. C'est un truc de fou. Allez, Galax, maintenant. Accélération. Il se retourne. Oui, magnifique, la passe décisive pour le remplaçant, le rentrant Luis Suarez. Yes. Ah bah voilà. Oh là là, quand même. Bon, niveau but, par contre, ça va être compliqué parce qu'on a encore 0 but. Mais voilà, notre note augmente. Si déjà on peut avoir le 9 sur 10, ça peut être sympathique. Allez, 2-0 pour le Barça, ça c'est bien, ouais. 69e minute, 9e but marqué en Liga pour Luis Suarez. Dembélé qui va sortir remplacé par Léo Messi, qui a également beaucoup envie de marquer. Hein. J'ai lu ça justement avant le match, dans le menu du jeu. Il faut qu'il marque, Léo Messi, mais nous aussi. Hein. Donc, hein,
Tu nous le laisses, hein, s'il te plaît, déconne pas. Non, mais je trouve Guetta fait assez en forme, bizarrement. Parce que, enfin, pourquoi bizarrement? Non, j'ai trouvé en forme, vraiment, parce que, habituellement, les équipes comme ça, bon, on arrive quand même à passer la défense. Là, c'est compliqué, quand même. Vraiment. Vraiment pas évident. Messi qui délivre pour Galaxy maintenant. Accélération maintenant du joueur français. Ouais, qui va tenter une accélération. Allez, temps de passer. Ah, c'est dur, ça ne passe pas. J'y crois pas, pourtant c'est des joueurs beaucoup moins bons que moi. Et je passe pas. Non mais attendez, ils se sont trompés d'équipe. C'est pas du possible. C'est pas du possible. En plus, près d'un passement incertain, on était à 8,4. Non mais sérieusement. On était à 8,4. C'est pas possible. Messi. Ouais, bonne transmission. Ah, j'ai dû passer, ça passe pas. Je joue simple, mais ouais, mais non. Bah, si je joue simple, ça ne passe pas. Si je joue compliqué, ça ne passe pas. En fait, ça passe jamais. Il va y avoir un souci là quand même à un moment. Il va y avoir réellement un souci. Allez. Ah, j'ai déséquilibré, c'est chiant. Mais non, c'est pas vrai. On s'est pas compris. Ah, c'est chiant. C'est très chiant. On n'y arrive pas. On y arrive absolument pas. Puis en plus, regarde, tu fais des passes à adversaire en avant en plus. Ah, ça va pas ça. Oh, quel mauvais match. Alors, d'habitude, c'est vrai que le premier match, c'est le meilleur. Là, aujourd'hui, j'espère que le deuxième sera mieux. Ah ouais, parce que là, ouïouïouï. Ouïouïouï, j'ai envie de tenir. Allez, gros. On avance. Ah, mais c'est très resserré hein, défensivement. Hein. On le voit bien. Hein. Regardez, c'est chou à garder la balle. Hein, vraiment. Hein. C'est juste Messi. Hyper tendax. Allez, Léo Messi maintenant. Léo Messi pour Merino la frappe. Et c'est capté directement par le gardien. Et on va s'arrêter sur un score de 2-0. Donc c'est sympathique hein, niveau score d'équipe. Mais voilà quoi, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dommage. Dommage, dommage. On n'a même pas les 8 sur 10. Aïe, aïe, aïe. C'est moyen, c'est très 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 moyen Galaxou aujourd'hui. J'espère vraiment qu'on fera mieux au second match. Parce que là, c'est pas dingue, c'est pas fou. On est content bien sûr de la victoire pour l'équipe. Mais personnellement, individuellement, c'était pas folichon. Et bravo également Luis Suarez qui a marqué un but sur ma passe décisive. Mais j'attends beaucoup plus de moi. Il faut que je me violente pour mieux jouer que ça. 7,9, même pas les 8 sur 10. Oh là là. Il faut avoir 9 de moyenne. Et ben on va devoir taper les amis un triplé. Si possible dans un prochain match. J'aimerais bien le faire. C'est qui après? C'est Malaga. Bah logiquement on pourrait le faire contre Malaga hein, le triplé hein. Il faudrait faire un triplé pour évidemment avoir le 10 sur 10 pour rattraper cette note de 7,9 hein. Et ouais il faut un 10 sur 10 hein. Obligatoirement hein. Ok, bientôt en tout cas les 94 de moyenne. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Allez allons-y, contre Malaga maintenant. Et ah merde j'ai pas été retenu. Ah je suis dégoûté. Mais voilà, mais comment veux-tu que j'ai la note? Si on me fait pas confiance, même si je joue pas super bien pendant un match, j'ai quand même délivré une passe d'ess. Bah ouais, non mais je veux bien, mais voilà, si on me fait jamais confiance dans cette équipe aussi. Oh là là, c'est incroyable. On me fait pas confiance, hein. Je pensais que là c'était bon, ils me mettaient vraiment titulaire, mais non, ils font des affaires de famille avec les deux Suarez, là. Voilà, c'est que du piston, ça. On me remplace, comme si de rien n'était. Non mais sérieux, c'est vrai. Allez, bah écoutez, on simule le match face à Malaga, j'espère qu'ils vont gagner. Hein. Attends, bah je vais carrément le passer. Et bah là, en plus ils perdent, bah voilà, bravo. Eh bah c'est bien fait. Eh bah c'est bien fait. Vous n'aviez qu'à me sélectionner. Non mais du coup, voilà, comment veux-tu que j'ai du 9 sur 10 et que je marque 6 buts si je joue un match sur 4 ou 2 matchs sur 4 comme tu veux? Non mais sérieusement, comment c'est possible? Bon, est-ce que là j'y suis? Est-ce que là j'y suis? Eh bah non, mais regardez. Eh, si je joue un match sur 4, comment tu veux que j'ai ce qu'il faut? Mais l'équipe, vous me laissez pas jouer. Non mais voilà, mais j'ai un coup de gueule face au Barça là. Eh sérieux, le coach te met des objectifs, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, on me sélectionne pas. Le joueur du mois, c'est Griezmann, bravo mon pote. Mais moi, je comprends pas. Que faire dans cette équipe qui ne me choisit pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah attends, mais j'y suis. Ah non, j'y suis, j'ai rien dit. J'y suis ici, je pensais que j'étais pas sélectionné, le mec qui se plaint tout le temps pour rien, tu sais. Ah merde, non mais j'ai eu peur. Non alors oui, attends, il faut ça du coup, ouais. Allez, non c'est bon, j'y suis. Je suis en train de pleurer, tu sais. Bon du coup ça m'a reposé, hein. Essayons de voir le bon côté des choses. On a pu se reposer, hein, car on n'a pas été sélectionné sur le match d'avant. Donc là du coup c'est même pas un triplé qu'il faut marquer. C'est un sextuplé. Ah putain, non mais c'est incroyable quoi. Oh là là. Ah non mais dès qu'on joue un peu moins bien, dès qu'on n'a pas du 9 sur 10 minimum, on n'est pas sélectionné pour le prochain match, c'est quand même dingue. Oh.
Bonjour à tous, je suis en compagnie, figurez-vous, exceptionnellement, de Pierre Ménès, qui va suivre ce match avec moi. Comment ça va, Pierre ? Bah oui, tout va bien, Hervé, bonjour à tous. Ah ouais, l'Atlético Madrid qui repasse devant le Real, 2 points de plus. Cette Liga hyper serrée, le Real dans le mal hein, pour cette fin de saison. Ils vont sûrement donc bien sûr être sur le podium, mais vont-ils réussir à garder cette seconde place ? Et attention parce qu'on a combien 6 ? On est qu'à 6 points. Et on est qu'à 6 points de l'Atlético Madrid. Et apparemment Antoine Griezmann, joueur du mois, qui a fait du sale. Donc ouais, attention quand même, hein. Attention à l'Atlético Madrid de Antoine Griezmann. Ça peut faire très très mal. On voit qu'ils sont passés devant, le Real, et ça j'aime pas trop. Allez, on y va. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe. Ok. Tu m'as vu. D'accord. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas avec vous au club. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne me sélectionne plus. C'est génial. Allez. C'est un système. Allez, gros. Sans surprise, qui a choisi l'entrée. Ouais, bien joué. Accélération maintenant. Ah, mais c'est pas vrai. Je tentais un centre à ras de terre. Je me suis dit pourquoi pas. Je le fais rarement. Et bah ça passe pas pour l'instant. Allez, arrêtons de nous plaindre. Essayons d'être positifs et de voir de l'avant. Ah, on s'est pas compris. Hein. Non, on s'est bien sûr pas compris. Ah, j'ai voulu tenter une tête. Dommage. Dur. Hein, ces matchs aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Bien joué. Je l'ai vu. Accélération, Merino maintenant, bien joué. Je sais pas qui l'a envoyé. Oula, fou le tacle. Allez, on envoie à droite là-bas, très bien. Profondeur, j'ai vu, il faut amener un petit peu d'ouverture, un petit peu de liberté. Là, la tête de Deulofeu, oui, ça passe juste au-dessus. Ah, on a eu peur là. On a eu peur. Ah, plutôt, l'adversaire a eu peur et nous, on y a cru. Regardez-moi ça, ça passe juste au-dessus. Oh là là. Il a failli tenter la claquette, enfin il a tenté la claquette du moins, mais du coup il n'y avait même pas besoin, le ballon n'était pas dedans. Tant mieux pour eux d'ailleurs, tant mieux pour eux. Allez, à dommage, on va essayer de rester bien placé si possible. Je sais qu'il va passer par là, même pas. Ah là là, pour moi c'est bien parce que je gêne beaucoup. Allez, pas quoi le casser. Vargalax maintenant, la frappe de Galaxou, et oui, allez, voilà, c'est ça qu'on veut, début de match en fanfare, allez, 1-0, quelle frappe en puissance, décalage, tu vois, petit décalage, un tout petit peu, et frappe du droit, on est bien placé, c'est inarrêtable, comme dit Pierre Ménès, bam, ah, bah voilà ce qu'on veut, ah, mais c'est pas vrai, voilà, le mec. Marglax bute à la 17ème minute. Ça nous offre du coup un 8 sur 10. Ah putain, ça commence à me manquer donc. Allez, Galax qui récupère. Bon bah, d'ores et déjà, ce match est mieux que le premier. D'ores et déjà. Allez, c'est contré, ça va faire une touche, écoutez. Ça sort en touche. Ah, c'est pour eux. What? D'accord. Bon, si tu veux. C'est quand même triste un peu, non? Ah, j'ai voulu rester là pour lui chipper la balle. C'est loupé. En tout cas, on a eu 8 sur 10 d'entrée avec ce but, effectivement. Ok. Ah mais non, mais putain, pourquoi tu me l'as refaite? Moi, ça me désarçonne, parce que voilà, je ne demande pas le ballon, ils me la refont, et je sais pas, je suis un peu perdu, quoi. Ok, Sobrino, ouais. Gérard Piqué qui est là pour la défense. La touche maintenant pour Malaga, le centre de Gomez. Ter Stegen est là, bien sûr, pour récupérer cette balle. Il va pouvoir dégager, faire du bien un petit peu à l'équipe. Allez, tu m'as vu. Go. On avance. Pas quoi le casser. En direction de Gérard Deulofeu. Il a vu Galaxou profondeur, bien sûr. Ah, je passe pas. Hein. Je ne suis pas passé. J'aurais dû faire une roulette. J'avoue. Ça aurait été bien de faire une roue. Une roue, une ailette, une roulette. Allez. Ouais, on va que j'aurais fait une roulette. Là, je serais passé easy. Hein. En vrai. Hein. En vrai, je serais passé vraiment easy. Non, mais les gars, faites-vous pas piquer le ballon aussi facilement. Enfin, je sais pas, vous êtes des joueurs de... normalement, de qualité mondiale. Je sais pas, faites quelque chose. Il y a un truc qui va pas, là. Bien. Oh, le joli tacle. Putain, bien joué. Franchement, bien joué. Hein. Merde, alors. Yamin. Yamin, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, putain, toujours contré. Oui, oh oui, j'ai voulu faire le forcing, la frappe tout de suite, putain, mais frappe-le! Pourquoi tu veux faire une passe, trou du cul? Oh, mais je m'énerve, mais c'est normal, là, au bout d'un moment, merde! Ah, putain, mais jouer correct! Je sais pas, quoi. Jouer correctement. La frappe!
Allez, retourne-toi vite et frappe. Bon allez, on va arrêter de les faire frapper, on va arrêter de leur filer trop de ballons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est jouer... Alors j'allais dire jouer solo, non, pas jouer solo, mais jouer pour nous, pour qu'on marque en fait. Donc en gros, on va leur demander des passes pour nous, dès que possible. Et on va tenter de marquer parce que du coup, l'objectif pour l'instant, il est loupé. Hein. Objectif Oula, des 9 sur 10 de moyenne, déjà c'est mort sur les 4 matchs. Surtout qu'il y en a un qui est passé. L'objectif des 6 buts, ça va être compliqué, on en a qu'un seul. En tout cas, on a mal entamé cette portion. J'ai la sensation que... Du coup, c'est tout le temps des suites de 4 matchs. Hein. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps être à fond à chaque match. Tu vois, mais c'est... Voilà, quoi. C'est dur. Ah, il court pas assez vite, c'est pas possible. Non, mais attends, mais comment des... Voilà, comment des joueurs de Malaga peuvent aller plus vite qu'Ousmane Dembélé? Voilà, c'est une question simplissime. C'est pas logique, t'as l'impression qu'en fait, il n'y a aucune valeur. Peu importe l'équipe. Peu importe l'équipe que tu en fasses, t'as l'impression que les mecs courent aussi vite que toi. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. En vérité, un joueur comme moi, il devrait même pas pouvoir le suivre. Bah ouais. Moi, je suis désolé. Bon, tu m'as vu. Allez, go, Merino. Mais bouge, mon gros. Putain, mais le mec, il bouge pas. Ah, vous êtes statique. Mais pourquoi tu me l'as refait là aussi? Ouais, la frappe de Galaxy maintenant. C'est à côté, putain. Non, c'est pas très bien joué. Dommage. C'est frustrant. Franchement, c'est frustrant parce que tu domines complètement. T'as 60-40 au niveau de la possession. Et t'es même pas foutu de marquer des buts. C'est-à-dire, pourtant, c'est censé être simple. Et après, on me dit, joue en mode champion. Bah non, en mode champion, voilà, ce serait pire. Hein. Déjà qu'en mode pro, on regarde des fois qu'on a des petites équipes, on n'arrive pas à marquer. Alors bon, en champion, laisse tomber. Hein. Non, c'est frustrant, franchement. Bon. Ouais, franchement, je sais pas où l'envoyer. Mais les mecs, ça bouge pas. Il n'y a pas de. Il se passe rien. C'est vraiment pas une équipe que j'aime bien, ça. C'est pas comme le Real, moi je vous le dis. Hein. C'est sur FIFA en tout cas, je parle évidemment. Frappe de Galax tout de suite, le but! Yes! Allez! Voilà, putain! Faut attendre des erreurs défensives, hein! Faut vraiment attendre des erreurs défensives pour marquer un but, c'est dingue! Terrible! Allez, doublé maintenant de Galax. On revient un petit peu dans la course des buts. Remarque qu'il nous restera un match après. Là, vu notre match, je pense qu'on sera sélectionné pour le prochain. Je te le dis, hein. Par contre, si je suis pas titulaire au prochain match, je ne comprends plus. Là, je joue bien. Hein. On peut pas dire que je marque pas, que je suis pas présent. Hein. Donc, si je ne suis pas pris pour le dernier match des 4 qu'on a, c'est pas normal. Ce serait pas normal et je vais gueuler encore plus. Allez, là, il nous faut le triplé. Il nous faut le 10 sur 10. C'est l'objectif de ce second match. Vu que le premier a été complètement loupé individuellement. Il nous faut, les amis. Allez, go, go, go. Bien joué. On y va. Ah putain, mais d'où d'où t'as pas la passe? C'est incroyable quand même. C'est fou. Allez, Ousmane Dembélé, bien joué. Pas quoi le casser. Oh mais les mecs, faites des bonnes passes. S'il vous plaît quoi. Allez go. Bien joué les gars, bien joué la frappe. Et c'est capté par le gardien. Niveau énergie, on est comment? On est bien. Niveau énergie, on est bien, 63ème minute. Il y a encore le temps effectivement de marquer un 3ème. Restons concentratides. Et ça dégage. Ouais, ça envoie sur Galax. Oh oui, encore une bonne passe. Bien joué. Les Blaugrana qui ont le ballon. Allez, go, go, go. Mais qu'est-ce que tu... Mais oui, putain, j'ai demandé le ballon. Mais... Voilà. Duel pour la récupération du ballon. C'est rageant. La frappe tout de suite, Ousmane. Putain, elle était magnifique cette passe. C'était un caviar. C'est dingue. Ousmane, mais tu vois, mais eux, ils les sanctionnent pas, ils jouent tout le temps. Moi, je fais un truc comme ça, je joue plus une action, limite, je joue pas. C'est vrai. Ah, dommage. Ça fait un corner, non? Ouais, ça fait un corner. Allez. Allez, on y va. Repousser, dommage. Bon, ça sert à rien de courir. Et logiquement, c'est pour nous, hein. La petite passe, bien joué. Ah, oh, what? Oui, oui, la frappe de Berg tout de suite. Et oui, le poteau rentrant, super passe décisive pour Galaxou. Très bien, deux buts, une passe DS. On est bien quand même. Hein. Oh, franchement, on est bien là. Et Mercursberg hein, qui était, il me semble, le remplaçant habituellement de Luis Suarez. Il n'y avait pas que lui hein, qui le remplaçait, mais voilà. Mais de rien, Luis Suarez, il rentre de moins en moins souvent, non? C'est marrant ça.
C'est marrant en fait, quand il y a les Suarez, moi je suis pas là. Limite, il y a un contentieux. Il y a un truc qui va pas entre nous. Entre nous, il y a un truc qui va pas. Allez, Keiko. Ah, j'aurais bien aimé qu'il avance. Ce cas, c'est que là, il pense à faire des passes. Du coup, je peux pas leur shipper la balle facilement. Navargul 3, c'est bien. Mais on voudrait un 10 sur 10. Bon, c'est mieux que rien, évidemment, mais. Le 10, ce sera mieux. Allez. Allez, gros. Allez, dans le couloir. Allez, gros. Alex Telles. Tente le coup. Ouais, ça joue bien. Cette passe. Allez, Glaxou. Oh, putain. Ouais, ça s'arrête. Non. Bien joué. Oh, la surprise, motherfucker. Oh, merde. Ah, je suis deg. Mais tellement dégoûté, ouais, là. La remise. Je me suis fait baiser. Oh, la déception. Keiko. Allez, les gars. Foncez dessus. 83e minute, je pense pas qu'on aura le temps de marquer le but, je le sens pas. Bon, oui. Mais bon, sait-on jamais. Allez, gros. Bien joué. Bon, on a un petit peu enfermé là, y a pas trop de solutions. Je t'ai vu, mon grand. Les gars, faites les passes, faites les passes. Galax la frappe tout de suite et le but, yes. Allez. Voilà. Bien joué. Merci beaucoup. Merci beaucoup, public. Ah bah quand même. Rattrapage, frappe du gauche hein, en puissance, rattrapage par rapport au premier match du jour, et bah tu vois c'est pas souvent. Comme quoi, avec la volonté, en se forçant, on arrive à rattraper le coup du premier match, tu vois. Et bah voilà quand tu veux. Et le triplé de Marc Galax aujourd'hui, 17ème, 56ème, 88ème. Il s'en est fallu de peu qu'on loupe cette note incroyable de 10 sur 10. Nous sommes bien sûr l'homme du match aujourd'hui. Et en plus, nous sommes en Liga. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ça monte au niveau du classement débuteur et c'est cool. Allez, mec, fonce. Qu'est-ce que tu fais comme connerie, toi? Allez, de l'Ofeu maintenant. La frappe tout de suite repoussée par le gardien. Bon, je m'en fiche, j'ai plus besoin de marquer de but. De toute façon, c'est la fin du match. J'ai réussi mon objectif aujourd'hui, dans ce second match en tout cas. Il faudrait faire ça à chaque match en vrai. Frappe de Galax tout de suite, repoussé par le gardien. On est dangereux en tout cas, ça y est, on a retrouvé nos jambes. Ça y est. Allez, le corner pour terminer, il y a 3 minutes de temps additionnel. Tête de Galax, oh j'avais fait la tête, incroyable. Ah j'avais fait la tête, elle était bonne en plus. Height. Allez. Au centre Galax pour la tête peut-être. C'est contré. Frappe de Galax encore. Et c'est capté par le gardien. Ça va pouvoir être dégagé. En tout cas, beau match du Barça et de Marc Galax. Ça fait plaisir. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Très bon match. C'est ce qu'on veut. 4 buts à 0. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a eu que de l'attaque. Magnifique. Bravo. Franchement, on applaudit. On applaudit, ça mérite un petit pouce bleu, évidemment. Cette reprise de conscience du terrible joueur français, qui est normalement l'un des meilleurs joueurs de la planète, 93 de moyenne, c'est pas tout le monde. Et enfin, on l'a retrouvé, ce joueur. On l'attend à ce niveau-là à chaque match, bon sang de bonsoir. On l'attend toujours à ce niveau-là. Et on l'a vu, il peut le faire. Mais il faut de la volonté, il faut y croire. Le 10 sur 10, on peut l'avoir. Les triplés, on peut les faire. Oui, Galax, tu peux le faire. En fait, il faut que je me convainque moi-même, en fait, tu vois, parce que à chaque fois, voilà, dès que je me dis je vais pas y arriver, dès que je me pleure dessus, c'est sûr que je vais pas y arriver. Voilà. Bon, la prochaine fois, les amis, ce sera la demi-finale contre le Bayern. Oh, très bien, contre le Bayern. On avait battu Manchester, hein, rappelez-vous. Et là, c'est face au Bayern, mon équipe. Que je viens de quitter la saison précédente et que je regrette un petit peu. Voilà, je vais pas vous mentir, je regrette un petit peu le Bayern qui était pour moi une meilleure équipe que le Barça. Voilà, honnêtement, en termes d'entente, je m'entendais beaucoup mieux avec Robben, avec plein de joueurs. Donc ouais, un peu déçu effectivement d'être parti du Bayern, j'aurais pas dû. C'est une erreur. Ou alors aller ailleurs hein, que le Barça. Mais bon, c'est pour la variété de la série bien sûr que je quitte les clubs et qu'on change. Voilà. Eh bien écoutez, on se retrouvera les amis la prochaine fois face au FC Bayern en Ligue des Champions. Alors on aura quoi d'autre comme match? Ah, on aura le petit duel face au Espagnol Barcelone. Ça c'est intéressant. Eh, hey, bon prochain épisode mine de rien. Ouais, on aura match aller, match retour aussi. Très très bien. Eh bien écoutez, en tout cas on se rapproche furieusement les amis de la fin de saison. Donc voilà, préparez-vous parce que mine de rien, c'est bientôt la fin. Eh ouais, bientôt la fin. Est-ce que je ferai une autre saison? Eh ben écoutez, je vous dirai ça prochainement. J'aurais bien envie de faire une autre saison avec un autre club. Mais, et oui, je précise un mais.
Je verrai, je sais pas du tout si j'en ferai une autre. Voilà, parce que j'ai envie peut-être de marquer une petite pause avec FIFA sur la chaîne. Donc on verra bien, est-ce que je suis chaud au moment venu pour une nouvelle saison. Perso, je suis chaud, mais programmation, c'est vrai que ça fait beaucoup de vidéos FIFA à chaque fois, donc je vais voir. Franchement, je vais voir par rapport à la chaîne ce que je compte y faire, etc. Je vais faire un petit peu mon programme pour les prochains mois. Et puis, on verra bien. Merci à tous. Les amis, on se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à très, très, très bientôt. C'est tout le monde.